Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Lisons Luc chapitre 13. Luke chapter 13. Du verset 10 au verset 17. From the verse 10 to 17. Luc chapitre 13. Luke chapter 13. Du verset 10 au verset 17. Il est écrit. Il est écrit. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Ma version dit, un jour de sabbat, Jésus est en train d'enseigner dans une maison de prière. Là, il y a une femme malade depuis 18 ans. Lorsqu'on dit qu'elle est malade depuis 18 ans, on fait premièrement référence à un problème qu'on peut résoudre à l'hôpital. Et parfois, on peut même donner un nom médical ou scientifique à la maladie. Mais l'origine de la maladie vient d'un démon. L'origine de la maladie vient de l'enfer. Nous allons aller étape par étape et je vais te dire certaines vérités. Donc la première chose que j'ai envie de te dire ce matin, tu peux avoir une maladie dans ton corps. Le problème vient d'un démon. Tu peux vivre des blocages dans tes affaires. Tu fais les papiers, ça n'aboutit jamais. 15 ans en Europe, jamais tu as la nationalité. Chaque année, on te renouvelle une carte de 1 an. Les autres viennent après toi et ils ont les papiers. Vous pouvez avoir le même potentiel, les mêmes opportunités, mais un niveau, toi, ta part se bloque toujours. Après avoir cité les théories scientifiques, laisse-moi te dire qu'au-dessus de la science, il y a le spirituel. Un démon peut bloquer tes affaires. Un démon peut attaquer ta santé. Un démon peut attaquer ton foyer. Un démon peut saccager ton église. Un démon peut bloquer tes bonnes relations. Le diable a la capacité, lorsqu'il voit quelqu'un qui n'a pas une vie de prière sérieuse, lorsqu'il voit une personne qui n'a pas une connaissance aiguisée du monde spirituel, le diable a la capacité de s'attaquer à cette personne pour la détruire. La première chose que je te dis ce matin, un problème dans ta vie peut avoir pour origine un démon. C'est pour ça que je prie pour toi ce matin. Quel qu'en soit ce que tu vis actuellement, dont l'origine vient d'un démon, que le Seigneur te libère cette semaine. Amen. Que le Seigneur te libère cette semaine. Amen. Que tout blocage que tu as dans tes affaires, occasionné par un démon, pendant que je lève ma main vers le ciel, je déclare la libération de tes affaires. Amen. Toute personne sous le son de ma voix, tu es attaqué par une maladie. Michael. Et cette maladie vient d'un démon. Par
pendant que tu te mets debout, je donne la guérison. Amen. Je donne la guérison. Amen. Toute personne sous le son de ma voix. Yes. Dans ta famille, quelqu'un est malade. Hey. Et c'est une maladie qui a été imposée pour la conduire à la mort. Hey. Pendant que je lève ma main vers le ciel. Yes. Le démon derrière cette maladie est chassé. Amen. Chassé. Amen. Chassé. Amen. Chassé. Amen. Tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à concevoir. Hey. Tu n'arrives pas à avoir tes papiers. Hey. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Oh my God. À cause d'un démon. Hey. J'ordonne cette semaine. Yes. Que Jésus te guérit. Amen. Que Jésus te délivre. Amen. Que Jésus te libère. Amen. Que le Jésus que je presse agisse, yes, dans ta famille. Amen. Qu'il agisse pour tes enfants. Amen. Qu'il te fasse du bien. Amen. Qu'il te restaure. Amen. Toi qui es là ce matin. Cette semaine qui est passée, tu as pleuré. Tu t'es plaint. Tu t'es lamenté. À cause d'un démon qui te tourmente. Hey. La semaine qui commence. Yes. Tu vas te réjouir. Amen. Oh, ton amen me dérange. Amen. Tu vas te réjouir. Amen. Le Seigneur va faire du bien à ta famille. Amen. Le Seigneur t'apporte de bonnes nouvelles. Amen. Dans tes affaires. Bonne nouvelle. Tes projets. Bonne nouvelle. Pour ta santé. 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 Bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Beaucoup de scientifiques et d'intellectuels, many scientists and intellectuals, jouent avec leur vie parce qu'ils croient qu'ils connaissent le français, ils connaissent l'anglais, ils connaissent l'école. Play with your life because they think they know school. J'ai raconté cette histoire ici et je le rappelle ce matin. I remind this story here this Nous morning. Sommes le 27 novembre 2022. We are the 27 of November 2022. Alors qu'on doit inaugurer, on doit faire le premier culte de cette église ici dans la soirée. We have to do the first service of this in the evening here. Le ministre fait appel à moi. The minister called me. Il veut que j'aille prier dans son bureau. To pray in his office. Il veut que j'aille prier dans son bureau to le matin. To pray in his office in the morning. Et quand j'arrive là-bas, once there, il me dit que homme de Dieu, he told me, man of God, je suis professeur agrégé. I am a great teacher. Je suis un scientifique. J'ai fait toutes mes études et j'ai vécu aux États-Unis. I live in the United States. Je ne crois pas à la sorcellerie. I don't believe in witchcraft. Après, il dit attends. Wait, he said. Je rectifie. I change. Je ne croyais pas à la sorcellerie. I was not believing in witchcraft. Il dit, laisse-moi rectifier. Il dit, je ne croyais pas à la sorcellerie. I was not believing in witchcraft. Mais ce que j'ai vu dans ce bureau, but what I saw in this office, j'ai compris que, I understood that, en dehors de la science, part of science, de la connaissance, knowledge, il y a le mystique. There is a mystical. J'ai dit, bienvenue. I said, welcome. J'ai dit, excellence, bienvenue dans le monde mystique. Welcome in the mystical realm, excellence. Fais attention, église. Careful, church. Au-delà de ce que tu vois, beyond all what you see, il y a les démons qui peuvent arriver dans ta vie. There are things that can happen in your life. Ils gâtent ta voiture. They spoil your car. Pour que tout l'argent que tu as fini dans la voiture. For all the money you have, you spend it in un car. Démon peut arriver dans ta vie. A demon can enter il your fait life. Tomber tes enfants malades seulement quand tu as l'argent. He makes fall your children sick only when un you have money. Un démon peut s'imposer dans ta vie. A demon can enter your life. Il te donne des problèmes seulement quand tu vas aller toquer. And causes you problems only when you want to knock at seulement the door. Quand tu as l'argent pour la dot. Only when you have money for the bride price. Le démon vient saccager la santé de ton premier fils. The demon destroys the half of your firstborn. Si tu ne connais pas les activités des démons. If you don't know the activities of demons. Tu peux croire que tout ce qui t'arrive est normal. You can believe all what is happening to you. On a vu cette femme. We saw that woman. Dans l'église. In the church. Un an. One year. Malade. Sick. Deux ans. 2 years. Malade. Sick. 18 ans, on ne fait que l'encourager. 18 years, she was just encouraged. On ne fait que lui dire, Asia. She was just said, ça va aller. Well. Un jour. One day. Est-ce que tu sais qu'un jour, un jour, you know, one day, one le day, vrai jour the real day de ta délivrance, c'est le jour que tu sais you know que ce problème n'est pas normal. Is not normal. Dès que tu réalises realize que ce que tu vis n'est pas normal, is abnormal, tu es délivré à 60%. You are delivered at 60%. Plus tu apprécies the more you appreciate ta situation, your situation, plus tu vas rester the more dans cette condition. Remain in that condition. La délivrance deliverance que Jésus apporte that Jesus passe par la connaissance. Come to the knowledge. Mon peuple périt my people perish faute de connaissance. Lorsque Dieu appelle l'apôtre Paul, when God called Apostle Paul et que l'apôtre Paul doit prêcher dans le ministère de Jésus, and that he had to preach in Jesus' ministry, il dit dans Actes chapitre 26, he said in Acts chapter 26, Dieu lui dit, God told him, j'étais suscité du milieu de ce peuple, I raised from the midst of this vers people, qui je t'envoie whom I sent pour que tu les fasses passer for you to remove them des ténèbres from darkness à la lumière, to the light, de la puissance de Satan, the power of Satan à celle de Dieu, to the one of God, de l'ignorance ignorance à la connaissance. To the knowledge. Nous lisons Acte 26, à partir du verset 16. Mais lève-toi, oui, et tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues
et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Oui. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Et du milieu des païens. Et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux. Écoute-moi. Il n'y a pas de délivrance si tu n'as pas les yeux ouverts. There is no deliverance without open eyes. L'homme de Dieu le disait ici en semaine. The man of God said here in the week. Tu peux être là. You can be here. Tout est normal. Everything is tout normal. Va bien. Everything is mais comme well. Tu es aveugle, as you are blind. Sur la condition mystique de ton collaborateur, mystical condition of your collaborator. Sur la capacité satanique de ton conjoint, the evil ability of your partner. De celui que tu as hébergé, of he that you love. Tu es aveugle. You are blind. C'est comme ça que tu vas échouer. That's how you fail. Il n'y a pas de délivrance que par les prières, chasser les démons. La vraie délivrance commence par la connaissance. The real deliverance starts by the knowledge. Vous connaîtrez la vérité. You shall know the truth. Et la vérité vous affranchira. And the truth will set you free. Il y a des choses que vous devez comprendre. There are things you have to understand. Votre vie your life dépend de ce que vous connaissez. Depends on what you et plus vous connaissez, the more you know, plus vous grandissez. The more you yes. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Yes. Même pour avoir le salut, il faut connaître. Même pour avoir la vie éternelle, il faut connaître. Et les chrétiens s'amusent dans leur vie, dans leurs affaires, parce qu'ils ne connaissent pas. Et vous êtes sur place. 18 ans dans l'église. Elle est malade. Et les sacrificateurs prêchent. Prennent les dîmes, les offrandes, les sacrifices. Elle est malade. Et on dit, c'est sûr que c'est Dieu. Peut-être sa maladie là vient de Dieu. Écoute-moi très bien. Il y a des choses que quand tu vis dans ton corps, quand ça ne vient pas de Dieu, tu sais. Il y a des choses que tu expérimentes dans ta relation. Quand ça ne vient pas de Dieu, tu sais. Il y a des choses que tu vis dans ta famille. Quand ça ne vient pas de Dieu, tu sais. Il y a un temps d'épreuve. Et la Bible a circonscrit le temps d'épreuve. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous ayez souffert un peu de temps. 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 Le temps d'épreuve a été circonscrit par Dieu. Et c'est un temps qui doit durer un peu. Qui doit durer un peu. Si c'est déjà prolongé, ce n'est plus une épreuve. C'est une attaque. Et tu as besoin de délivrance. Amen. Et cette semaine qui commence, pendant que je tape l'autel, j'ordonne ta délivrance. Amen. Délivrance dans tes affaires. Je reçois. Dans tes projets. Délivrance. Dans ton ministère. Délivrance. Dans ta famille. Délivrance. Dans ta vie. Délivrance. Tes enfants. Délivrance. Ton foyer. Délivrance. Tes entrailles. Délivrance. Ta vie. Délivrance. Ta santé. Délivrance. Au nom de Jésus. Chaque jour qui passe, tu le dis, Seigneur, Lord, délivre-moi. Deliver me. Délivre-moi. Deliver me. Est-ce que tu sais que l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 3 verset 2, Paul, in 2 Thessalonians 3, un jour il prie one day pray, et il dit que and he said, priez pour nous pray for us, afin que la parole soit prêchée, for the word to be preached, qu'elle soit répandue for it to be spread, et que Dieu nous délivre for God to deliver des hommes méchants. Wicked men. L'apôtre Paul avait eu besoin que Dieu le délivre des hommes méchants. Apostle Paul needed God to deliver him from wicked men. Je te parle de la sorcellerie familiale, non? I'm talking about family witchcraft. Le sorcier wizard est animé d'un démon, has a demon de méchanceté, of wickedness, qui le pousse à ne pas avoir pitié de toi, not to have mercy à t'attaquer, you, to attack you, à souhaiter ta mort, to wish your death, à mettre les choses en place to start pour que la finalité soit for ta ruine. You la to destruction. Fall, for you to be destroyed. Paul avait toute l'onction qu'il a dit prier pour nous. Paul said pray for us. Afin que Dieu nous délivre. For God to deliver us. De la puissance. From the power. Des manigances. From the des projets. From the plans. Des hommes méchants. Of wicked men. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Commence au verset 1. Au reste frère. Priez pour nous. Priez pour nous. Afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Verset 2. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Afin que nous soyons délivrés. Des hommes méchants et pervers. Afin que nous soyons délivrés. Des hommes méchants et pervers. Car tous n'ont pas la foi. Tous n'ont pas cru.
Tous n'ont pas le Seigneur. Not everyone has a Lord. Ils vont nous attaquer. They will attack us. Ils vont nous combattre. They will fight us. Parce que dans une femme, this is a woman, un jour de sabbat, one day of sabbat, qui est censé être un jour de repos, it's supposed to be a day of rest, où on ne travaille pas, where there is no work, où on ne se bouge pas, where we do nothing. Et Jésus la voit malade. And Jesus saw her sick. Et derrière la maladie, il y a un démon. Behind the disease, there is a demon. Jésus trouve que tant qu'on a les malades à l'église, on ne doit pas se reposer. As long as you have sick children, we don't have to rest. Jésus nous renseigne que tant qu'on a les problèmes dans notre famille, on ne doit pas arrêter de prier. As long as you have problems in our family, we don't have to stop praying. Pas de Shabbat au milieu de la maladie. No Shabbat when there is disease. Pas de Shabbat au milieu de la pauvreté. No Shabbat when there is poverty. Je suis choqué de voir dans l'église I'm shocked to see la stupidité de certains chrétiens. Last Sunday I was impressed by the stupidity of on some fait Christians. Les dernières prières avant de rentrer. Last prayer before going back home. Et on dit qu'on va prier pour que Dieu change nos vies. Pray for God to change our lives. Je vois les enfants pauvres du côté de la chorale. Poor children from the side of the choir. Sur leur visage, tu sens la pauvreté. You feel poverty on tu your sens face. La misère. You feel misery. Tu sens la souffrance. Ils prient comme s'ils jouaient. Frère, brother, quand ta vie n'a pas de sens, well, no sense. Quand tu pries, pray, il te faut la rage. Amen. Quand ta vie ne donne pas, hey, quand tu pries, pray, tu dois prier en criant. Bartimée a parlé, on ne l'a pas écouté. Il a encore parlé, on l'a étouffé. Il a dit, si parler ne suffit pas, je dois seulement crier. Et quand il a crié, Jésus s'est arrêté. Ce matin, ce qui te dérange là sera paralysé par ta prière, par tes cris, par ta parole. Ta vie va changer. Pendant que je tape mon pied sur l'autel, j'ordonne à ce problème de te quitter. J'ordonne à ce problème de te quitter. L'histoire de ta famille va changer. Je prie et je déclare. Pendant que je suis animé d'une sainte colère, j'ordonne à ce démon de lâcher ta famille, amen, de lâcher tes affaires, amen, de lâcher tes finances, amen, de te libérer, amen, de te libérer, amen. Ton histoire change, amen. Ton histoire change, amen. Ton histoire change, amen. Ton histoire change, amen. J'y paie au nom de Jésus, délivre-moi, paie au nom de Jésus, libère-moi, paie au nom de Jésus, guéris-moi, paie au nom de Jésus, bénis-moi, bénis-moi au nom de Jésus. Beaucoup jouent ici parce que les gens vous aident. Many people are playing here because c'est quand ton financier meurt, when your finances die, que tu vas chercher Dieu. That you really seek God. C'est quand celui qui te donne l'argent chaque semaine ne te prend plus au téléphone, when he will give you money every que tu vas commencer à prier. You will start praying. Vous qui avez les parents qui s'occupaient de vous là, your parents will take care of you. Tu boudes, on te donne l'argent de if semaine. You, when you are giving money, tu ne laves pas les assiettes, on te supplie. You don't wash dishes, you are bad. Tu échoues, you fail. On te flatte. You're flattered. C'est bien. It's good. Du courage. Vous ne pouvez pas chercher Dieu. You cannot seek parce que les gens vous facilitent la vie. Quand tu es ton père, tu es ta mère. When you are your own father, mother, tu n'as personne devant, personne derrière. Nobody before, nobody même si on ne te dit pas, tu vas prier. You pray. Vous faites ce que vous faites là. You do what you are parce doing que les gens vous donnent sans travailler. Because we give you without working. Je causais avec une amie, elle parlait de ses problèmes de foyer. She talked about the problem of et pendant qu'elle parlait, elle me disait, oui, à l'époque, mon compagnon ne travaillait pas. He was not working in the past. Et moi, j'étais la seule qui travaillait. And I was working. Et mon salaire ne nous suffisait pas. My salary was not enough et ma belle-mère nous aidait chaque mois avec 50 000. My mother-in-law was giving us 50,000 per month. Chaque mois avec 50 000. 50,000 per month. Et j'ai dit, ah, 50 000 est beaucoup pour vous comme ça. 50,000 is so. Mais je connais rien dans cette église. But I know people in this church. 50 000, c'est à peine si tu dis merci. If you give 50,000, they barely thank you. C'est à peine si tu dis merci. They barely thank you. Parce qu'on lui a donné 50 000 sans souffrir. Because he was giving 50,000 without suffering. On lui a donné 20 000 sans souffrir. He was giving 20,000 without suffering. Même prix, il ne prie plus. You know my prayer, mes amis, friend, celui qui vous donne, he will give you, sans vous appeler au travail, without learning how sans to vous work, amener à vous battre, without leading you to ne struggle, vous aime pas. Does not love you. Chers parents, dear parents, quand vous amenez les enfants à l'église, when you bring children to et church, que vous remarquez qu'ils ne cherchent pas Dieu, and you notice you are not seeking arrêtez God, de les cajoler. Stop caressing them. Le roi de Dubaï a dit à son petit-fils, the king of Dubai told his grandson, que ton arrière-grand-père se déplacer en chameau. Your great grandfather was using camel to move. Ton grand-père, your grandfather, a utilisé une voiture normale. Used a normal car. Moi ton père, I your father, j'ai roulé avec les voitures de luxe. I used luxurious cars. Toi, you, tu roules en Lamborghini. You have a Lamborghini. Pendant que
la vie devient de plus en plus facile pour vous. While life is becoming the more and more easy for you. Vous perdez le sens de l'effort. You are losing the sense of effort. Il lui dit, tes petits-fils vont retomber dans le chameau. Who fell in camel. Parce qu'on s'est battu pour changer de condition. Because we struggle to change our conditions. Pour profiter de notre bataille. To take advantage of our battle. Pour devenir paresseux. To become lazy. Si tu es grand. If you are great. Et que tu n'entraînes pas les autres. I don't lead others à se battre. To struggle. Tu vas les faire demeurer feignants. They will become weak. Et demain. And tomorrow. Ils vont s'en prendre à toi en disant que tu ne leur as pas dit la vérité. Saying that you didn't tell them the truth. Tu ne peux pas chercher la délivrance si on te flatte. You cannot seek deliverance if you are flattered. Quelqu'un me disait, écoute, demain je verrai si je me réveille tôt, je viendrai à l'église. J'ai dit, waouh. C'est toi qui es pauvre. You are poor. C'est toi qui es possédé. You are possessed. C'est toi qui as les problèmes spirituels. It has problems. Tu vas voir dans quelle mesure si tu te réveilles tôt. You will see how if you wake up early. J'ai compris que dans l'église il y a les sorciers de leur propre vie. And there are some people that are the own wizards of frère, in church. Quand on est entré dans la fête ici, when we enter in church, avec argent de taxi, sans argent de taxi, on partait à l'église. We are going to on church. A l'offrande d'eau. On n'a pas l'offrande d'eau. On a l'église. We are in church. Lundi église. Monday, mardi église. Tuesday, mercredi église. Church, jeudi église, church, vendredi église, church, samedi église, church, dimanche église. Church, qui a la bonne prédication ou pas, non, cherche la délivrance. Whether the preaching is good or not, we were looking que for le pasteur nous connaisse ou pas, nous on veut la délivrance. Whether the pastor knows us or not, we want que le sujet de prière nous concerne ou pas, nous on veut la délivrance. Whether the prayer point concerns us or not, we want deliverance. Et c'est dans cet esprit that spirit, qu'on s'est attaché à Dieu we tied up to God, et il nous a fait du bien. And he has blessed us. J'ai un problème avec les gens qui viennent d'accepter Jésus les cinq dernières années-ci. Les dix dernières années-ci. Vous êtes trop nonchalant. You are so cold. Vous êtes trop laxiste. You are so negligent. On doit t'appeler. You must be called. Pour te rappeler que demain il y a culte. To remind you there is church service tomorrow. Tu ne peux pas être délivré. You cannot be delivered. Si on doit te flatter pour venir à l'église. If you must be flattered to come to church. Tu es ancien d'église. You are elder of church. Hey, mercredi il faut venir. Hein? When is it come? Ancien d'église. Serviteur. Servant. Pourquoi tu n'étais pas là hier? Why were you not yesterday? Moi, on n'a pas eu ça. Moi, on n'était pas dans la quartier d'église où on te flatte pour venir. On te dit ne viens plus. You were not flattered to go to church. Elle fait 18 ans dans l'église. 18 years in church. Et le malheur qu'elle a. And her disaster. Le jour où elle rencontre Jésus. The way she met Jesus. C'est un jour où la loi exige le repos. The law requires rest. Mais laisse-moi te dire. But let me tell quand you, tu es malade. When you are sick, quand tu as le problème spirituel. When you have spiritual problems, et que Jésus est en face de toi. Jesus is in front of il brise la loi. Yes. Il viole la loi. Yes. Parce que la maladie n'est pas censée avoir le droit de demeurer right dans ton corps. On ne doit pas se reposer si tu es possédé. On ne doit pas se reposer si tu n'as pas encore eu ce visa. On ne doit pas arrêter de prier si tu n'as pas encore conçu. Tant que tu ne conçois pas, le pasteur ne se repose pas. L'église ne ferme pas. Quelqu'un m'a demandé, chaque jour église, et je lui ai répondu, chaque jour les problèmes. Si on a les problèmes chaque jour, nous on doit prier pour vous chaque jour. Amen. Si Satan vous attaque chaque jour, nous on doit prier pour vous chaque jour. Si chaque jour vous faites des couches de nuit, chaque jour on doit intercéder pour vous. Amen. Si on ferme l'église, c'est vous qui perdez. Ne vous en faites pas. Don't worry. On a les enfants sur Internet qui nous envoient les dîmes. You have children on the internet who send their tithes. Il y a une de mes filles m'a envoyé la dîme de 1 million des États-Unis. Yes, the one of my daughters sent me the tithe of 1 million from United personne States. Personne ne paye ça ici. Nobody pays that here. Quand je partais au 2-0 le matin, elle m'écrit. She wrote me in the morning yesterday. Il est 7h du matin, tu fais moins 6h, non, il est 1h chez elle. 1 a.m. Elle dit, papa, est-ce que je peux avoir ton orange money? Can I have your orange money? J'envoie. Et bien, demain, j'espère que c'est le bon numéro parce que ce qui va arriver, il ne faut pas que ça passe dans un autre numéro. Je regarde encore bien que est-ce que c'est le bon numéro. Les amis, mais il y a une qualité de choses que mes frères, même le Seigneur ne peut pas permettre que son serviteur fasse une erreur. 6, 9, 7, 2, et c'est ça, c'est ça. Je regarde encore moi-même, après il dit que confirmation. Elle me dit quand le premier arrive, tu signales. Frère, je deviens sa bébé. Ils n'ont pas compris pourquoi j'étais engagé. Parce qu'en fait, je viens de recevoir une dîme qui m'a rendu heureux. Donc, on peut fermer l'église, on a les dîmes. You can close the church, but you have tithes. Si on ferme l'église, c'est toi qui perds. If you close the church, you will lose. Chaque jour l'église. Every day the church. Dimanche, on quitte l'église à 14. C'est pour ton bien qu'on prie beaucoup. So you're good that you pray a lot.
Écoute-moi bien. Listen to me well. Une église où on fait 8 cultes ou 6 cultes le dimanche. A church where you have 6 church services. Où le culte fait 45 minutes. Where the church service lasts 45 minutes. Le pasteur minutes. Ne perd rien parce que tout le monde qui vient au culte fait l'offrande. The pastor loses nothing because everybody gives le chrétien perd. But the member loses. Parce qu'il est impossible qu'en 45 minutes, possible that in 45 on minutes, fasse une bonne louange, we praise well, une bonne adoration, we worship well, une bonne prédication, we preach well, les bons moments de prière, good times of de prayer, prophétie. Prophecy. C'est impossible. It is impossible. Mais vous allez donner l'offrande. Even if you can free. Oh, je pars dans une église là où le culte fait 2 heures. Dans les 2 heures, tu as adoré Dieu pendant combien de minutes? Tu as loué Dieu pendant combien de minutes? During how many times did you praise God? La prédication est entrée dans ton corps. Did the preaching enter in your body? On a prié pendant 30 minutes. You pray for 30 minutes. Donc, plus on réduit le temps de culte, plus les chrétiens perdent. The more we reduce the time of church service, the more Christians lose. Plus on réduit les jours de culte, plus les chrétiens perdent. The more we reduce the days of church service, the more Christians lose. Si le culte fait 45 minutes, tu vas pas donner l'offrande. Tu vas donner l'offrande. Give the offering. Et le pasteur va se ménager. And the pastor will prepare himself. Puisqu'il faut que vous sortez. Because you have le deuxième culte appelle déjà, ils sont là dehors. The second church service, they are already at the donc door. Il va bâcler la prédication. So we preach well. Parce qu'il faut passer au deuxième culte. Because he must move to the second church. Qui vous service? A dit qu'on fait science dans l'église? Vous faites les raisonnements alors que vous avez les problèmes spirituels. You argue, meanwhile you have spiritual problems. Donc dites-vous bien une chose. Think about this. Là où vous partez à l'église là, where you go to that church, où on fait le wassa wassa, where they do things vous fast, perdez. You lose. Jésus dit, Jesus said, comment les sacrificateurs s'ils sont méchants? How are those priests wicked? Celui qui a dit qu'il y a le sabbat là, he will say there is Shabbat, a aussi dit also say, qu'on doit être en santé. How we must be in good health. Comment on peut parler de sabbat, we talk about Shabbat devant une femme for a woman qui a 18 ans 18 de souffrance? Of suffering. Elle peut se reposer? Can she rest? Elle dort la nuit? Does she sleep at night? Que tiens, les pasteurs, les prophètes sont parfois méchants. At times they are wicked. Comment tu peux dire à une fille, can you tell a girl, à une femme, a woman, à un homme a man, qui n'a pas de sommeil, who has no sleep, de se reposer? To rest. C'est le Shabbat. Shabbat. Celui qui te parle a grandi dans l'église adventiste. I agree, Adventist donc quand elle parle du Shabbat, talk about Shabbat, c'est mon histoire. It's my story. À partir de vendredi 18h as on Friday, 6 p.m. jusqu'à samedi 18h, on ne fait rien. Saturday, 6 p.m., we do nothing. On éteint la télé, on ne parle plus. We switch up the TV, c'est we le temps speak. De Dieu. It's a time of God. Étant malade, sick, possédé, possessed, bloqué, loved, rien n'avance, nothing stérile. Moves, de quel Shabbat vous parlez? Shabbat, do you talk about? Quel repos est possible? But rest is possible. Quand on a le stress, when we have stress, que rien n'aboutit pour nos enfants, that nothing is fulfilling for rien ne marche pour nos frères, nothing is working for our ma brothers. Soeur est dans un concubinage de 9 ans, my sister living in a mad with bastonnade, she's beaten, humiliation, she's humiliated. Rejet, rejected, blocage, she's blocked. De quel Shabbat tu parles? Shabbat, do you talk about? Vous venez à l'église comme ça, when you come to the church, on a un seul problème, you have just one problem, que vos vies changent, your life change, que vous soyez délivrés, amen, que vous soyez guéris, amen, que la gloire de Dieu se manifeste, amen, que vous soyez heureux, amen. Mon problème n'est pas que le culte finisse, my problem is not the end of the mon problème service, c'est que ton problème finisse, but your problem must end. Si le culte peut finir dans 5 minutes the church service can end in 5 et que ton minutes, problème finisse avant, and your problem ça ends me before, suffit, it's okay. Mais si je n'ai pas la conviction, if I'm not convinced, que la prédication, that the preacher, la prière prayer, a touché ton problème, touch your problem, je n'aurais pas envie d'arrêter. I will not want to stop it. Frère, brother, on peut prêcher les messages intellectuels, we can preach intellectual messages, on peut prêcher les messages modérés, we can preach moderated messages. Il y a une qualité de démons qui aiment la brutalité. But they are kind of demons that like violence. Il y a une qualité de démons qui aiment qu'on crie sur eux. They like when we shout on them. Il y a une qualité de démons qui aiment qu'on les menace. They like when we are threatened. Quand tu seras milliardaire, tu n'auras plus un problème. On va prêcher doucement, calmement. When we billionaire, we'll preach quietly. Ainsi parle le Seigneur. Ma fille, tu es bénie. Dès que fait la main comme ça, dis papa, voilà 2 millions. Yes. Mais toi là. You. Si on dit à ton démon de galère là qu'ainsi parle le Seigneur, je vais me regarder comme ça que frère, parle bien. Il y a les gens dans l'église aussi, quand je leur dis tu es béni, ils ne croient pas parce qu'ils ont les problèmes partout. Ils aimeraient que ce soit papa Loïs. La Bible déclare, Bible declares, elle est assise dans le temple, she was seated in the temple pendant 18 ans. For 18 years, rien ne change. Nothing changed. Un jour de sabbat, one day of sabbat, il est en train d'enseigner. Was teaching. Il y a une femme malade depuis 18 ans. And the woman was sick for 18 years. À cause d'un mauvais esprit. Because of an evil spirit. À cause d'un esprit mauvais. Mettez parole de vie à l'écran. À cause d'un esprit mauvais. Because of an evil spirit. Elle n'était pas malade à cause d'un virus. She was also sick because of a virus. Elle n'était pas malade à cause d'un protozoaire. Elle n'était pas malade à cause d'une bactérie. Not because of a bacteria. Elle était malade à cause d'un démon. But because of a demon.
Quand un démon s'installe dans ta vie, quand un démon contrôle ta vie, quand un démon oppresse ta vie, il faut que tu passes à la délivrance. Amen. J'ai dit dans cette église, il y a des possessions démoniaques. Qui est le plus petit niveau des problèmes spirituels? The smallest level of spiritual problem. La possession démoniaque, c'est le plus petit niveau. The evil possession is the tu peux smallest ne pas être possédé par un démon, you might not be possessed by demon, mais tu es influencé par une domination. You are influenced by a dominion. Tu peux être oppressé par une principauté. You can be oppressed by a principality. Tu peux vivre des oppositions des montagnes sataniques. You can go to a position of evil dans mountains. Tout ce que je viens de citer, le démon n'est pas dans ton corps. In all what I just mentioned, the demon donc is tu n'es your pas body. Possédé. So you are not possessed. En prie, tu ne tombes pas. Pray, you don't fall. Mais aucune de tes affaires ne marche. But none of your business works. Zorobabel n'était pas possédé. Zorobabel was not possessed. Mais la montagne a dit que ce qu'il a commencé ne finira jamais. The mountain said what he started will never complete it. Zorobabel ne criait pas qu'on prêche. He was not chanting where the prayer. Il ne tombait pas en transe. He was not falling on the ground. Mais ses mains étaient bloquées. But his hands were blocked. Il a fallu une intervention supérieure. It took for a great intervention. Pour délivrer Zorobabel. To deliver him. Elle est toujours courbée. She was still bent. Pendant 18 ans, for 18 years, elle est courbée. She was bent. Et les gens certainement disaient que c'est sûr qu'elle veut attirer l'attention. Certainly people say they want, she elle veut seulement qu'on parle d'elle. She just want people to talk about il y a her. Une qualité de problème spirituel it's a kind of spiritual problem que tu as. That you have. Ça te rend aigri. That makes you scorn. Et non, trouve que tu es mal éduqué. And you find you're bad educated. Cher pasteur, dear pastor, en tant qu'homme spirituel, a spiritual man, quand tu vois un frère, when you see a brother, une soeur, a sister, avoir certains comportements, having some behavior, avant de raisonner comme un psychologue, raisonne comme un homme spirituel. Beaucoup à l'église sont toujours de mauvaise humeur. Ce sont les démons. Elle ne salue jamais les gens. C'est un esprit humain, un mari spirituel qui contrôle son humeur. Un homme spirituel juge les choses d'après l'esprit et non d'après la psychologie. Il y a des gens comme ça qui sont assis comme ça, sans transition, et commencent à pleurer. C'est un démon qui vient lui rappeler que je t'ai dit que tout ce que tu fais là ne sert à rien. Le démon lui parle, elle écoute. Tout ce que tu fais là ne sert à rien. Tu perds ton temps à l'église. Wasting your time in elle church. Commence à pleurer. She starts crying. Et toi, tu as continué que ouais, c'est quand telle personne qui me pleurait comme ça. What kind of person likes c'est to un démon. It's a demon. Il y a des gens qui n'arrivent plus à se stabiliser dans les relations. Some people can almost stabilize themselves. Parce que le démon mari spirituel a travaillé dans sa vie. Because the demon works in the life. Pour que tout ce qui rentre, so that all those ça va se gâter. Gets il y a deux options pour que ça se gâte. There are two options for you to get soit spoiled. La personne gâte, either the person spoiled, soit toi-même tu gâtes. Or you spoil it yourself. Mais dans tous les cas, but in all the ça va se gâter. It must get spoiled. Et tu ne comprends pas comment, à son jeune âge, don't get hard on your age. Elle a déjà connu 23 hommes. She already knew 23 men. Même quand elle veut être sérieuse, even when she wants to be serious, le gars c'est un bandit. The man is a bandit. Quand elle veut être bandite, le gars est sérieux. When she wants to be bandit, the guy qui is serious. La manipule comme ça, who manipulates her like c'est un démon. A demon. Quand il veut investir, when he wants to invest, c'est une fausse affaire. On lui vend un terrain vendu. Quand il ne veut plus acheter le terrain et qu'il veut boire, il commence à boire. On lui propose un bon terrain. Mais l'argent est fini. Les démons ont la capacité de manipuler les gens pendant plusieurs années. Et si tu ne comprends pas que là, il me faut la délivrance, tu es mort. Et les gens venaient s'asseoir à l'église. Bien beau, bien habillé, bien belle, cerveau rempli. Mais vous avez des problèmes de démons. But demons disturb le même problème de ton papa, tu as ça. The same problem of your father, you les have mêmes blocages de ta mère, tu as ça. You have the same blockages of le même rejet de ta soeur, tu as ça. You have the same rejection of your toutes sister. Les filles qui portent le nom de cette femme dans la famille ont le même problème. Même si tu as fréquenté, even if you stand, même si tu es beau, even if you're tu es intelligent, intelligent, il te faut la délivrance. You need deliverance. On ne dit pas à quelqu'un don't tell somebody qu'il a besoin de délivrance. That he needs a deliverance. Chacun doit réaliser après analyse que ça là, ce n'est pas normal. This is abnormal. Ma mère était dans un mariage. Mother was married. Tout allait bien. Everything was going mais well. Subitement, but suddenly, sans transition, without transition, ça s'est gâté. Me voici aussi here I am dans le mariage. Married. Sans transition, without transition, c'est en train de se gâter. Ils te font la délivrance. You need deliverance. Ta mère n'est pas sortie du mariage parce qu'elle n'était pas sérieuse. Your mother didn't go out of marriage because she wasn't c'est un démon serious de votre famille. It's a demon of your family. J'ai vu sur internet un gars qui a dit a man on the internet said que quand une femme a raté le mariage,
When a woman elle n'a pas le droit de vous donner les conseils pour le mariage. Doesn't have the right to give advice. Faux. False. Quelqu'un peut échouer. Somebody can fail. Avec les bonnes intentions. With good intentions. Quelqu'un peut échouer. Somebody can fail. Avec les bonnes intentions. With good intentions. Mais le démon qui l'a fait échouer the demon who makes est plus fail fort que ses intentions. He's stronger than her intentions. Il y a des gens ici qui sont encore mariés de nom. C'est seulement que Dieu fait grâce. C'est que quand il va rentrer à la maison où il va rentrer, il aura le temps d'entrer aux toilettes, se laver et venir manger et aller se coucher. Son mariage est défini par manger, se laver, sortir. Il n'y a plus d'amour entre les deux depuis 3 ans. Ils ont tout fait pour arranger rien. Parce que l'esprit qui est derrière leur problème est plus fort que leurs bonnes intentions. J'ai prié pour une sœur ici mariée avec un pasteur, mais elle avait un esprit de célibat sur elle. Depuis qu'elle est à l'église, elle n'a jamais manifesté comme ça. Dès que j'ai dit ça, Dieu m'a ouvert les yeux. Elle a commencé à crier comme une folle. Et elle se rappelle que quand on la dotait, un oncle avait dit. Qui t'a dit que parce que tu es marié physiquement, que tu es marié spirituellement? Physiquement, tu peux avoir l'alliance, spirituellement, tu es célibataire. Physically, you can have the marriage ring, but spiritually, c'est une question de temps. Ton mariage va se gâter si tu n'es pas délivré. Tu dis que tu as les voitures, tu as l'argent. So you have cars, you have money. Ton père est fini pauvre. Les frères de ton père ont fini pauvres. C'est une question de temps. Tout ton argent va finir si tu n'es pas délivré. Quelqu'un dit les pasteurs aiment effrayer les gens. Même si je ne t'effraie pas, tu connais l'histoire de ta famille. Va aux États-Unis. Si tu n'es pas délivré, l'esprit qui attaquait ton père au Cameroun va arriver là-bas. Elle fait 18 ans courbés et les sacrificateurs sont heureux. Pasteur, quel jour on peut avoir de prendre les offrandes des gens, les dîmes des gens, les sacrifices des gens, et leur vie ne change pas. Tu n'es pas un pasteur, tu es un mercenaire. La joie du pasteur, ce n'est pas l'offrande. La joie du pasteur, c'est ton témoignage. Yes. Si tu n'as pas de témoignage, le pasteur n'a pas été appelé. Il n'a pas l'onction. Mais quand tu as un témoignage, on sait que là, voilà les fruits de son apostolat. Je ne suis pas apôtre parce que j'ai l'argent. Je suis apôtre parce que tu es délivré. Parce que tu es béni. Parce que ta vie change. Parce que tu témoignes. Les magiciens ont l'argent. Les satanistes ont l'argent. Mais ce qui fait la différence, c'est que par notre ministère, ta vie change. Là, on sait que Dieu nous a appelés. C'est un problème. 18 ans, aucun sacrificateur n'a même fait une veillée de prière pour elle. Il calculait seulement la dîme. La Bible déclare, là, il y a une femme. Il y a une femme malade depuis 18 ans. Depuis 18 ans. À cause d'un esprit mauvais. Hey! Elle est toujours penchée en avant. Ce qui me dérange, c'est que pendant les 18 ans, personne ne sait que c'est à cause d'un esprit mauvais. During the 18 years, nobody knew because of an evil spirit. Il faut que Jésus arrive. Jesus had to come. Tu ne peux pas me dire que tu as accepté Jésus. You cannot tell me you have accepted Jesus. Et tu ne connais pas la cause de tes problèmes. I don't know the cause of your problems. Avant la fin de cette semaine, for the end of this que le Seigneur te parle, qu'il te révèle, qu'il te révèle d'où viennent les problèmes de ta famille. Yes. Pourquoi vous n'êtes pas mariés? Pourquoi vos vies n'avancent pas? Que le Seigneur te parle. Yes. Elle est toujours penchée en avant. Elle est toujours penchée en avant. Et elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Elle ne peut pas se tenir droite. Quand Jésus la voit. Quand Jésus la voit. Il appelle et dit à la femme. Il y avait plusieurs personnes là. There were many people there. Mais Jésus Jesus a réalisé que cette femme, that son woman, cas était urgent. Her situation was urgent. Avant la fin de ce culte, Father, Jésus lui-même va te guérir. Amen. Jésus lui-même va te délivrer. Amen. Jésus lui-même va toucher ton histoire. Amen. Sa main te touche. Amen. Te touche. Amen. Te touche. Yes. Te touche. Te touche. Te touche. Amen. Yes. Quand Jésus la voit, quand Jésus la voit, il appelle et dit à la femme. Il dit à la femme, ta maladie est finie. Il dit à la femme, ta maladie est finie. Il dit à la femme, ta maladie est finie. Il n'a pas dit que ça va finir. Oh. Je vais dire à quelqu'un, oh, avant les 5 prochaines minutes, oh, ce mal est fini. Amen. Oh, ton amen n'est pas encore bon. Amen. Ton amen ne m'impressionne pas. Amen. Cette maladie est finie. Amen. Cette malédiction est finie. Amen. Ce célibat est fini. Amen. Cette stérilité est finie. Amen. Dis à ton voisin, c'est fini. C'est fini.
Déplace-toi, dis à 5 personnes, c'est fini. C'est fini. Tape la main des 5 personnes, dis c'est fini. C'est fini. Cette maladie, c'est fini. Ce rejet, c'est ce célibat, c'est ce blocage. C'est fini. Lève-toi avant des 5 personnes, dis c'est fini. C'est fini. Dis à quelqu'un, c'est fini. C'est fini. Oh, je vois quelqu'un qui est sur place. C'est dis fini. À quelqu'un, c'est fini. C'est fini. Le refus de visa, c'est fini. Les fiançailles brisées, c'est fini. La stérilité, c'est fini. Le retard, c'est fini. Le rejet, c'est fini. Les pleurs, c'est fini. L'échec, c'est fini. L'échec, c'est fini. La mort précoce, c'est fini. Dis à quelqu'un, c'est fini. C'est fini. Dis à quelqu'un, c'est fini. C'est fini. Dis à quelqu'un, c'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus. Quand j'ai dit c'est fini, la prédication peut aussi finir. Quand j'ai dit c'est fini, la prédication peut s'arrêter. Amen. Pendant que j'arrête cette prédication, hey, et que tu te mets sur tes pieds, yeah, tu annonces cette semaine, hey, ton histoire va changer. Amen. Ton histoire va changer. Amen. Ton histoire va changer. Amen. Mon Dieu te bénit. Amen. Te délivre. Amen. Te restaure. Tu paies au nom de Jésus. Que tout ce qui m'oppressait, tout ce qui me possédait, tout ce qui me bloquait, que cela finisse ce matin, pendant que je prie, pendant que je prie, pendant que je prie, élève ta voix et commence à parler. Dis, oh Dieu, que tout ce qui bloquait ma vie, tout ce qui oppressait ma vie, ce matin c'est fini. Ce matin c'est fini. Ce matin c'est fini. J'ai la conviction que par ton onction, par ta puissance ce matin, mon problème est fini. Ma maladie est finie. Mes blocages sont finis. Mon célibat est fini. Mon célibat est fini. Mes échecs sont finis. Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, mon histoire change. Car ma souffrance, ce matin est fini. C'est fini ce matin. Ça finit ce matin. Ça finit ce matin. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Le problème que tu connais, ce matin, Jésus te dit, ce problème est fini. Ce problème est fini. Ce problème est fini. Le Dieu de mon Père te dit ce matin, ton célibat est fini. Ta pauvreté est finie. Ta maladie est finie. Pendant que tu parles, pendant que tu pries. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis paix au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus. Que tout contrôle. Que tout contrôle. De la sorcellerie familiale. De la sorcellerie familiale. Sur nos mariages. Sur nos mariages. Voyage. Voyage. Élévation. Élévation. Santé. Santé. Promotion. Promotion. Que ce contrôle. Que ce contrôle. Finisse ce matin. Finisse ce matin. Pendant que je prie. Le contrôle de la sorcellerie familiale. Est fini. C'est fini. C'est fini. Sur mes frères. C'est fini. Sur mes soeurs. C'est fini. Sur mes projets. C'est fini. Sur ma vie. C'est fini. Ma destinée. C'est fini. C'est fini. C'est fini. À partir d'aujourd'hui. C'est fini. Je reçois mes papiers français. Mes papiers russes. Yes. Italiens. Yes. Belges. Américains. Yes. Canadiens. Yes. Je reçois mon enfant. Je reçois. Je conçois. Yes. Je me marie. Yes. Je reçois mon visa. Hey. Ma promotion. Yes. Mon succès. Yes. Ma gloire. Yes. Ma faveur. Yes. La mort est finie. C'est fini. Mort précoce. C'est fini. Accident. C'est fini. Maladie incurable. C'est fini. Le diabète. C'est fini. Le diabète. C'est fini. Insuffisance rénale. C'est fini. VIH. C'est fini. VIH. C'est fini. VIH. C'est fini. Cancer. C'est fini. Hépatite. C'est fini. Hémorroïdes. C'est fini. Stérilité. C'est fini. Fibrome. C'est fini. Myome. C'est fini. Kyste. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Esprit de rejet. C'est fini. De blocage. C'est fini. Humiliation. C'est fini. Pauvreté. C'est fini. Misère. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ce matin, c'est fini. Tu as longtemps souffert. Ce matin, c'est fini. Ça you finit ce matin. You are the mighty man of war. You are Jehovah. You are the mighty man of war. You are Jehovah. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Oh! C'est fini, c'est fini, c'est fini. Yes!
Continue à parler, continue à parler. Les problèmes dans mon travail, ce matin c'est fini. Les disputes dans mon foyer, ce matin c'est fini. Les maladies dans la vie de mes enfants, ce matin c'est fini. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je prie pour toi ce matin. Yes. Pendant que cette semaine commence, cette chose qui a duré pendant longtemps, qui a traumatisé votre famille, j'ordonne sa fin. Amen. Cette maladie s'arrête. Amen. Ces blocages s'arrêtent. Amen. Ces humiliations s'arrêtent. Amen. Le démon qui contrôlait vos vies est chassé. Amen. Et que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Que Jésus vous délivre. Amen. Que Jésus vous délivre. Amen. Que Jésus délivre votre famille. Amen. Qu'il délivre vos mariages. Amen. Qu'il délivre vos relations. Amen. Qu'il délivre votre succès. Amen. Qu'il délivre vos promotions. Amen. Qu'il délivre vos papiers. Amen. Vos nationalités. Amen. Vos richesses. Amen. Vos avoirs. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Dis amen comme le tonnerre. Amen. Acclame Jésus bien, assieds-toi. Gloire à Jésus.